Een goeie avond iedereen. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Waasland-Beveren-Antwerp. Gewonnen door de thuisploeg met 3-0. Monsieur Benoît, voor het jouw opinion? Sûr. Sûr le match. Le match. Donc tout d'abord, je demande pardon, je ne vais pas rester longtemps parce que c'était prévu qu'on parle à 10h30 et je dois respecter le collectif. Je ne demande pas pourquoi ça dure une interview au bout de 45 minutes après le match. Je crois que je vous me comprenez. Donc le match, c'est un match disputé, un match bien en équilibre. Un match dans lequel les deux équipes ils ont donné tout, beaucoup d'efforts à mon avis. Après, vous savez, il y a une balance pendant la durée du match et après, quand cette balance il penche à gauche ou à droite, après il faut être très fort pour revenir. Malheureusement pour nous, c'est comme ça que j'ai vu. Première mi-temps, je crois qu'il fallait faire la différence. Je crois qu'on a eu un jeu en place dans lequel on a créé une immense situation, même deux, lesquelles on les a loupés. Et cette fois-là, donc on n'a pas eu la capacité de prendre cette balance et de tirer de notre côté. Ça, c'est le premier mi-temps, parce qu'on aurait dû faire. On savait qu'après, l'adversaire, il a son mot à dire aussi. Et à deuxième mi-temps, notre objectif, c'était de rentrer avec le même objectif de ne pas céder le terrain, de ne pas céder au niveau de pression. Moi, je crois qu'avec une participation externe, cette balance, il tourne de côté de nos adversaires. Et après, nous, on ne peut plus revenir. Ça, c'est l'histoire de ce match-là. Il était écrit un petit peu à cause de ça aussi. Ça n'empêche qu'il faut reconnaître que les adversaires, après, ils ont exploité très, très bien leur supériorité morale et mentale après le 1-0. Et ils ont, après, bien sûr que... Nous, on n'était pas assez saignants pour pouvoir faire quelque chose. On doit les féliciter pour ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Voilà. Merci. Ja. Een week geleden zaten we hier ook. Maar met een ander gevoel dan nu, denk ik. Hè. Ja, dat klopt. Ik ben in een aantal dingen akkoord. De wedstrijd was in evenwicht voor mij de eerste helft qua kansen. Twee kansen voor beide teams. Maar voor ons vooral veel balbezit, veel initiatief, veel dominantie in het spel. En Antwerp die vooral afwacht en probeert te counteren. Wat ze ene keer goed lukken, een dikke vivrij. En dan die andere kans was meer een fout van bij ons uit. Die tweede helft dan, begin je heel goed met dat doelpunt van Alex. Zit er een doelpunt. En we hebben heel de week ook getraind op het heel moeilijk systeem om te doorbreken wat Antwerp speelt. Zij hebben op die manier ook in Gent gewonnen, in Mechelen gewonnen, in Oostende gewonnen, tegen Lokeren gelijk gespeeld. Dus het is een heel moeilijk systeem om door te breken en om kansen te creëren. Omdat, als je overal mandekking doet over heel het veld, je ziet dat Ndiaye dikwijls met een Poma linksbak stond te spelen en meeliep. Dat is gewoon heel moeilijk om daar vrijheid te vinden. We hebben er deze week op getraind. Ik heb met de jongens ook besproken dat een heel moeilijk eerste helft ging zijn, maar dat de tweede helft dat er altijd meer ruimte komt. Omdat het heel moeilijk is om dat te blijven belopen, die afstanden. En als je dan voor kunt komen, dan komen er automatisch ook meer ruimtes, omdat dan Antwerpen ook initiatief in het spel moet pakken en niet alleen moet afwachten en counteren. En dat hebben we goed gebruikt, inderdaad. En daardoor voor mij een dik verdiende overwinning. En ik ben heel blij voor mijn groep dat we eindelijk zo'n overwinning hebben ook. Na vele weken van lof over het spel, maar die kostte weinig punten. Dat we nu die 3 punten binnen hebben en na een dik verdiende overwinning. Dank u wel. Tot zover de uitzending voor de mensen in het stadion.